Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool au Mic et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'accomplir des contrats. Alors pour vous aider à réaliser le défi, je vous affiche une map avec tous les emplacements des contrats, donc des tableaux à contrats que vous allez pouvoir trouver sur Fortnite. Donc vous pouvez aussi demander des contrats aux personnages que vous croisez sur Fortnite, mais sinon vous allez tout simplement à des tableaux de primes comme ceci, et là vous acceptez le contrat. Donc les contrats, c'est d'éliminer un joueur, donc vous acceptez pour 105, non c'est gratuit, voilà, vous l'acceptez, et ça va vous rapporter 150 lingots d'or. Donc là, sur la carte, vous allez avoir un adversaire, donc voilà, qui sera affiché dans une zone jaune, comme ceci. Donc vous allez devoir vous rendre dans cette zone et éliminer la personne avant les 5 minutes, enfin avant les 6 minutes qui vous est donné. Donc dès que vous l'aurez éliminé, vous aurez terminé un contrat. Vous allez devoir accomplir 3 contrats pour terminer ce défi. Alors, petite information supplémentaire, si vous ne le tuez pas et que quelqu'un d'autre le tue, le contrat est quand même validé. Donc ça, c'est un petit avantage. Donc voilà. Alors je vais quand même essayer d'aller tuer la personne pour vous montrer que ça fonctionne bien. Eh bien regardez, le contrat a été volé, mais ça a quand même accompli la quête et j'ai quand même obtenu 150 lingots d'or. Donc je pense que même si quelqu'un d'autre tue la personne à votre place, je pense que ça valide le contrat quand même. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça valide quand même ou s'il faut vraiment absolument tuer l'autre personne pour valider le contrat. Je pense que c'est pas nécessaire, mais on ne sait jamais. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et quand vous aurez terminé le défi, et bien vous débloquerez 24 000 XP. Voilà qui termine cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.